wish that I could fix it, I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through.
me réserves-tu cette fois-ci ? Revelio. Lumos. Expelliarmus. Revelio. Action. Wingardium Leviosa. Tout va bien à présent. Thank you.
voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la... Tu es à moi à présent, demi-guise. Et je suis mute depuis 10 minutes. J'ai pas fait gaffe. Eh bien, bonjour à tous. Donc, c'est la divination. Et c'est la preuve de divination, du coup. Est-ce qu'il y en a un? Elle a un sourire trop cringe. Fameuse scène. Il faut lire dans le reste du café. Yo Ragnar, comment vas-tu? En forme? T'as fini le jeu? Bah pas encore. Hein. Là j'ai fait beaucoup de missions secondaires, donc je suis pas forcément avancé dans le jeu. J'espère que ces devoirs ne vous ont... J'ai terminé toutes mes tâches, professeur Honor. Là, j'ai appris des sorts, j'apprends des sorts même plus en plus. Si je dois l'avouer... En fait, j'aimerais bien, avant d'avancer dans le jeu, d'avoir tous les sorts d'Alomora, tous les niveaux d'Alomora, donc qui va permettre d'ouvrir toutes les portes. Perception, parce que là, je suis bloqué à chaque fois. Là, j'ai deux sorts d'Alomora, j'ai le 1 et 2. Que le présent et même le passé peut être révélateur de ce qui vous attend. Donc du coup, j'avance doucement, tranquillement. Observateur, sur ce qui vous attend. Chant la gloire. Je vois du danger de ouf là. Hein. Je n'arrive pas à me défaire de cette sensation d'un danger imminent. Je vois. Ces présages ne sont pas une condamnation, mais ils ont au moins le mérite de vous préparer à ce qui vous attend. Et sachez que vous vous préparez en ce moment même. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Let's go. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, ça fait mal à la tête, elle. Alors, pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Canalisez votre magie vers votre cible. Ok. Oup. Fais comment? Elle a fait un pied, genre comme vous ça. Vous le maîtrisez. Et maintenant, pourquoi ne pas essayer le sort sur un mannequin d'entraînement? Un mannequin d'entraînement. Alors, Defendo n'inflige aucun direct, mais les objets et les ennemis qui sont proches subissent des dégâts à l'impact. Les ennemis en l'air subissent des dégâts encore plus importants lorsqu'ils touchent le sol. Donc en fait, l'idée, c'est de l'assembler avec Levioso. En bref, il faudrait essayer de faire un truc dans le genre. En fait, ça dépend. Hein. J'ai bien envie de le mettre avec les Levioso, mais je vois pas tellement comment l'associer. À la place d'Axio, en vrai. Je peux essayer. Axio, on va le mettre autre part pour l'instant. On va le mettre genre. Voilà. À la place de ça. C'est quoi ça, Flipender? Après, j'ai mis en arrière. Ok, ça pourrait être sympa aussi en soi. Sinon, en vrai, ça, on va plutôt le mettre là. Ok. Donc là, on devrait voir. Il est où le mannequin là? Revelio. Ah, il est là. Donc. Déjà, donc, sans le mettre en l'air. Ok, donc c'est lui claque la tête. Et quand on le fout en l'air?
Ouais. Vous allez devoir cesser de vous entraîner et mettre vos compétences. Ouais, bon. Revelio. On va essayer de faire ça contre des vrais ennemis. Donc on va continuer la mission principale pour voir. On va forcément tomber sur des ennemis. Alors, quête. Ouais, voilà, il faut que je fasse ça. Faut que je trouve 13 demi-lunes encore, demi-guises. Je crois que j'en ai encore 2 ou 3, pas plus. J'ai débloqué les bestioles aussi. Ouais, j'ai 7 demi-guises. Ah non, j'en ai 7 quand même. Hein. Donc il m'en manque 6. Il manque 6 demi-guises et je pourrais bien avancer dans le jeu en mode tryhard. Faut j'aille où ? À Fellcroft ? C'est où ça ? Wow, ça paraît loin. Ah ouais. Ah oui. C'est même très très loin même. Je sais pas si tout le monde va bien dans le chat. Quel plaisir de vous revoir. Oula oula, doucement doucement. Doucement les bugs hein. Ok, ça va. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le balai ou pas. En vrai, est-ce qu'on prend le balai ou est-ce qu'on va découvrir un peu le jeu en même temps là. Nous, on est là. Ça serait bien qu'on passe tout là. Ah, quoique. On est où, nous? Loki. Putain. Je pourrais essayer de me téléporter là, en vrai. Hein. C'est quoi à faire, là? Alors que je visitais... Hirondelle, j'entends une femme parler de quelque chose de fascinant, je devrais lui parler. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir vite fait ici. Ah, ici en plus il y a un truc de Merlin que j'avais pas réussi à finir la dernière fois parce que j'avais pas le sort. Il me manquait Wingard Jom Leviosa. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Wow, wow, wow. Bon, je vais me TP, ça bug direct par contre, je crois. Wingardium Leviosa. Ok. Désolé pour les petits bugs. On va casser des maisons, c'est gentil. Voilà. Alors, c'est pas là qu'on doit le mettre. Alors, c'est où? Revelio. Où est-ce qu'on doit la mettre si c'est pas là? Je dois récupérer ici. Ah, on doit le mettre là. Wingardium Leviosa. Ok, on va faire venir à nous. Est-ce que l'eau est bien faite? Ah, l'eau est pas trop bien faite. Il doit y avoir des plouf-plouf là normalement. Monter un peu. Alors ça sert à faire ça. La prise en main elle est pas ouf par contre. Hein. Quand on monte ça descend, quand on monte dedans, ça descend, mais comment on fait pour la faire venir vers nous? Wingardium Leviosa. Ok. Cette épreuve de Merlin ne me résisteront pas. On est bon. Pas mal. J'aime bien le fait qu'il y ait Merlin qui apparaît en plein milieu à chaque fois. C'est ça stylé. Juste voir si je peux déjà rentrer dans cette pièce. Je sais que c'était fermé la dernière fois, je pouvais pas y rentrer à cause du de Allo Mora là. Ah bah là je peux. Allo Mora. C'est un niveau 2, j'ai accès normalement maintenant. Ok. Mirano c'est bon. Voilà. Waouh. C'est marrant que ça me fait bugger à chaque fois que ça. Ça réouvre une truc en fait, que ça me met. Revelio. Oula, petit coffre là. Et mon chat il est en mode miaulement extrême là. Je crois qu'il a vu quelque chose dehors. Waouh, c'est un coffre légendaire ça.
Est-ce qu'il est ? J'ai pas mal de choses à identifier. Hein. Je pense qu'on finit. On va essayer de finir un peu la quête. Et après, on va essayer de, bah, de revenir pour identifier un max de choses. Je vais vendre tout ce qui me sert à rien. C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Que proposez-vous à la vente ? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Ok, j'ai pas grand-chose à vendre, donc c'est pas trop grave. C'est parfait. J'avais beaucoup de choses, mais j'ai dû tout faire avant de déco pour hier. Merci votre visite. Cela m'a fait plaisir. Pareillement. Allez, ciao. Wingardium Leviosa. Revelio. Ouais, je peux l'ouvrir facile celui-là. Allô, ah, Mora. En plus, il y a un coffre que j'aime bien derrière là. Je crois que c'est des coffres qui me donnent des machins de collection. Attendez, hop, ça c'est bon. Et là on est bon. Voilà. Ok. Oh, une demi-guise. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Stylé. Alors pour la demi-guise, pour la prendre, il faut toujours être de nuit. Donc vous faut aller dans la carte. Tu vous mettez à attendre. Présent, demi-guise. Et hop, vous récupérez la demi-guise. Tac tac. Donc la demi-guise, très important, hein, c'est ce qui permet d'avoir le sort Allo Mora. Et de pouvoir l'améliorer surtout. Donc y'a rien ici. Donc ouais, dès que vous voyez une demi-guise. Vous mettez de nuit. Sur la carte, vous mettez donc attendre. Ça vous fera apparaître de nuit. Et vous récupérez la demi-guise, hein, forcément. Je crois que pour le premier level, il faut 7. Après, il faut 9. Et après, il faut 13. On dirait que c'est beaucoup, mais globalement, ça va assez vite. Hein. Allo, Mora. Et puis, en vrai, Allo, Mora est vraiment trop important dans le jeu. Parce que grâce à Allo, Mora, vous récupérez aussi d'autres demi-guises. C'est ça qu'il faut savoir. Donc il faut absolument avoir des Allo Mora au max pour pouvoir augmenter Allo Mora. Oh, petit chat. Revelio. Non, je me suis... Oh, y'a un mec. Voilà. Il faut toujours bien regarder parce qu'ils sont pas forcément bien identifiés, les demi-guises. Ça m'est déjà arrivé d'en voir et qui a pas été révélé sur mon Revelio. Donc vraiment prenez votre temps et ça ira. Ah, c'est des coffres que j'aime bien aussi. Je crois qu'il y a souvent des pommeaux dedans. Ouais, voilà. Bon, on va y aller à pied en vrai, hein. Tranquillement. Au moins, ça nous permet de découvrir les autres maisons, récupérer les petits trucs qui restent, qui traînent. Revelio. Ok, il y en a plein qui traînent. Hop. Je prends des sous. Oh. Un objet violet. Ça, j'aime bien. Mais mon chat. Oui. Viens. Là, viens. C'est bizarre qu'ils vont passer par là. Qu'est-ce qu'il y a, Loki ? Viens. Viens dire bonjour au stream. Hop là. Ah. Oh oui. Dis bonjour au stream. Hop. Regarde-le. Allez, dis bonjour au stream. Chouchouk. Allez. Qu'est-ce que tu fous? Chaque fois il se fout là où il faut pas. Hop. C'est quoi, c'est un troll ça? Qu'est-ce que fout un troll ici? Bon, on va se battre un peu les potes. Les paros.
non. Wingardium Leviosa. Ok, ça. Exactement rien quoi. Ce qu'ils aiment pas, c'est le feu. Je crois que j'ai un fort feu qui se balade quelque part. Ouais, j'ai lui. Confringo. Ils aiment pas vite fait quoi. Oui, c'est mon chien qui est hyper tanky, genre. Ils sont pas forcément dangereux, hein. Mais ils sont très tanky. Dans son fort. Ils font, ils font mal quand même. Ok, je vais tirer un truc. Oh non, j'ai annulé mon stupéfix. Parfait. Vous pouvez le voir. D'habitude, je balance des gros forts sur eux. Hein. Je mets des gros forts, mais là, vu qu'il y a un troll après, vaut mieux que j'en garde un axe. Trop loin, hein, il est débile. Il est débile. On va pouvoir récupérer la magie ancienne. Ah, ça régène de la vie, ça. C'est intéressant. Alors, s'il y a un troll ici, ça veut dire qu'il y a des... Oula. Quoi, le bourbier. On va lui balancer tous les sorts déjà de ça. Oh là. Oh. C'est des chances, hein. Oh, il fait quoi lui? Il fait quoi lui? Il y avait deux fongeurs? Ah non, ça va être chance, hein. Oh, je mets le temps de Q. Oh. Je vais me servir de... Oh, il y en a deux. Il s'agirait de se calmer par contre. Bien chaud. Oh, il a pété mon bouclier. Oh là là. Oh, trop chiant. J'ai même pas le temps d'esquiver, hein. Rendez-vous compte, hein. Putain. Stupéfix. C'est chiant. C'est chiant mais c'est un peu excitant. Le bon. Oh, j'ai pas le temps de le renvoyer. Ah! Wow! Piège! Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il me colle! Mais laissez-moi tranquille! Vous voyez pas que je suis en train de me battre là? Mais. Sa mère! Lâche-toi! Il meurt pas! C'est à moins que des personnages qu'on peut pas bouger en fait. Allez, allez, allez. Je suis mort? Non. Purée. Le problème c'est qu'il y avait trop de. Il y a trop de mobs en fait. En soi le troll en 1 contre 1 c'est gérable. Même le fourbier à 2 contre 1 en vrai c'était gérable. Mais là, il y en a un troisième, il est arrivé, je sais pas de où, mais il était là, quoi. Il était là. Là, on va jouer intelligemment.
On va essayer de jouer intelligemment cette fois-ci. Lumos. Non, c'est pas Lumos. Donc là, il y en a un là. J'ai gardé mes 12 potions. On peut pas faire Petrificus contre des mobs. Est-ce qu'on va essayer de se jouer de ces côtés-là au pire en vrai hein. Cache E, cache 1, 2 là, voilà. Hop, toi tu manges. Voilà. C'est pas le coup avec moi. J'ai compris comment tu fonctionnais. Ok. Allez, hop, on mange la pierre. Hop là. On va y aller petit à petit. Hein. Est-ce qu'il est par là-bas pour récupérer les, la magie ancienne? Voilà. Oh. Oh, j'ai été mon truc. Wow. Je l'ai mérité. T'as combien d'heures de jeu? Alors, ça, c'est une très bonne question. Ok. C'est une très bonne question. Je dois être à peut-être 10. Non, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Ouais, je regarde après, je te dis après. Je dis juste après. Là, je t'avoue que le combat est pas si simple. Non. Oh, j'ai eu la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Ok. Tu vas apprendre la magie des sorts. Non, non, non. La magie noire, je vais pas la prendre. Je trouve que ça rend le jeu beaucoup trop facile. Oh oh. Ah, ça je voulais pas ça, par contre j'ai attiré lui là. Oh non. Oh non. Ah, laissez-moi tranquille. Oh, il casse les pieds. Hein. C'est le fond jeu qui me souffle, c'est pas le troll hein. C'est vraiment pas le troll hein. Le troll il est vraiment gérable hein. Oh, regarde-le. Là j'avoue j'ai pas esquivé, je suis nul. Ouais, il y a des potions pour ça là par contre. Chaque fois il me fait ça. Ça me saoule. Je peux pas te faire tranquille en fait. Faudrait qu'il me lance un rocher encore. Oh, il m'a mis une raclée là. Ok, lui c'est bon. Lui c'est bon, maintenant on va tuer lui tranquillement. Dégage. Voilà. Ok, me revoilà. Désolé le stream. Désolé le chat. Du coup, ouais, non, la magie noire, je compte pas la prendre parce que je trouve que ça rend le jeu beaucoup trop facile. Bah là, par exemple, tu vois, ça aurait été simple. J'aurais marqué les deux fongieux, j'aurais marqué le troll, j'aurais mis la balacadabra, j'aurais fini la partie. Ça rend le jeu trop facile, la magie noire, j'ai l'impression. Et du coup, le jeu aussi, il devient très, c'est le même jeu, en fait.
C'est-à-dire qu'en gros, ton but, ça va être de marquer toutes les cibles avec des sorts, n'importe lesquels, ça les marque tous, je crois. Et après, tu balances Avada Kedavra, toutes les cibles qui sont marquées. Peu importe le nombre de PV qu'ils ont. Je trouve ça extrêmement fort. C'est beaucoup trop fort. Je suis ravi d'y avoir été incluse. Et puis je me suis dit, ouais, la magie noire c'est cool et tout. En plus, ça modifie ton la fin. Si jamais, par exemple, tu finis le jeu, bah ta fin sera un peu plus noire, un peu plus obscure, on va dire. Tandis que là, si tu restes vraiment mage blanc, donc c'est ok. Je sais pas, moi j'ai la magie blanche, ça m'a toujours plus intéressé que la magie noire. Mais en plus, là, par contre, ça enlève du plaisir de jeu à force. Bah, flemme, hein. Imagine, t'arrives sur le boss final, tu balances un Avada Kedavra, t'as fini. Simple et efficace. En plus, je pense avoir compris comment apprendre la magie noire, ça paraît en plus très simple. C'est. Bah, d'ailleurs, le mec qu'on va voir là, Sébastien Felcroft, c'est lui qui va t'aider, entre guillemets, dans cette voie là. Et moi, non, c'est hors de question que j'apprends ça. Le jeu peut devenir vraiment très complexe sans, et ça qui est bien. En plus, j'ai encore des choses à essayer. J'ai jamais croisé un petit mob là. Faut que j'essaye de faire mon nouveau sort là, le Descendo. Après, il y a un sort, mais je sais pas si c'est Sébastien qui va m'apprendre. C'est Bombarda. Lui, je l'attends parce qu'il est pas mal apparemment. Revelio. Ça m'intrigue. Ouais, pareil. Bizarre. Il y a une page apparemment par là. Ah bah là. Ok. On est où là en fait? On est déjà à Felcroft? Allo Mora. C'est aussi pour ça que l'Allo Mora est trop important. Regardez tous les coffres qu'on trouve grâce à ça. Oh. Ça veut pas. Hop là. Je vois ce qu'il fallait. Faut que je fasse gaffe à l'heure, moi. Oh, ça va, il est tellement tôt. Revelio. On a de l'argent là. Oh, elle est belle celle-ci. J'aime bien. Ah, j'ai dit, ça sent l'épreuve de Merlin, ça. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Alors, il y en a déjà trois là. Ok. C'est encore là. Oh, on s'approche. Il y en a encore trois là-bas, je crois. Encore une. Revelio. Donc voilà ce que je pense de la magie noire. Après, attention, je critique pas ou je juge pas du tout les gens qui jouent magie noire. Hein. Honnêtement, j'y ai pensé à jouer, donc pour moi ça veut dire que c'est compréhensible de le jouer, tu vois. Mais je me dis que je peut-être toujours préféré la magie blanche, donc bon, j'ai pas vraiment d'intérêt non plus. Voilà, c'est okay, réglé. Ça c'est fait. Une grotte apparemment par là. Revelio. Comment on y accède? Ah, bah, y a un gros coffre. C'est un coffre légendaire ça? Je crois que c'est un coffre légendaire. Allô, Mora. Ok. Voilà. Eh hey bro. Parfait. Revelio. Rien d'autre? Mouais. Bon, je dis mouais comme si j'étais pas content alors que je viens d'avoir un coffre légendaire quoi. Ils sont beaux les coffres légendaires d'ailleurs. Très beau. On dirait un peu un village de hobbits.
c'est de l'argent, je compte quand même. C'est quoi ça? Ah non, il y a un coffre intéressant, je crois. Allô, Omora. Ok. Voilà. D'ailleurs, je me dis, il faudrait peut-être que je mette la caméra autre part. Je viens de penser là. Parce que du coup, vous voyez pas les sorts que j'ai. Voilà. Très bien. Voilà, voilà. Hop, c'est mieux. Revelio. Du coup, je me suis rendu compte que en voyant une review, que vous voyez absolument pas les sorts que j'ai. ni les potions, ni la vie. D'ailleurs, faudrait que je me rachète des potions ou que je m'en refasse. Bizarre que c'est là, ça. Confringo. Non. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Qu'est-ce que ça va activer? Ah bah tiens, ça va activer ça d'ailleurs. Ah si, je m'en souviens. Ouais, faut que je le fasse vite. Oh, j'arrive à trouver la troisième. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. Donc on a une là. Une là. Normalement, il y a une troisième qui se balade. Ah, là-bas ? Ah, pas là. Les deux, ça. Elle est où pour le dernier ? Alors, je ne sais vraiment pas où est le dernier, par contre. Oula. Alors, il y en a un là. Un là-bas, un là. Vous voyez, vous, le dernier? Peut-être là-bas, j'ai pas fait gaffe. Revelio. Ah, il est là. Alors du coup, faut faire. Confringo. Tac. Non. Confringo. Non. Barrière de mort. Tac. Tac. C'est joué un peu. Non, ça l'a pas compté. Non, ça l'a pas compté. Tac. Tac. Lui-même aurait de quoi être fier. C'est vraiment une épreuve de vitesse. D'ailleurs, faut savoir que la première mission que j'avais eue de ça, genre j'en avais trouvé une où il fallait justement allumer les feux. J'avais pas ce sort là de feu. J'avais le sort où faut être au corps à corps. Et j'ai galéré de ouf. Fallait que je prenne mon balai pour aller hyper vite. Et j'ai dû recommencer une dizaine de fois. Mystérieux et perturbant. Ah, il y a des monstres capturés là-bas. Lumos. Ok. Ah, et des ruches, j'ai l'impression. Ah, c'est intéressant ce qui se passe là-bas aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? On va aller voir après. Hop. Lumos. Oh, oh, c'est des fossifères encore. Réparons. Merde. Lumos. Je suis le pire. Hein. Alors. Ah, c'est Joe Barbie, non, pas des fossifères. Ah, un shiny.
fasse. F2, F3. Non, F1. Non, c'est pas toi que je veux. C'est pas lui que je voulais. C'est lui là. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Faut qu'on laisse atterrir. Pas lui. Non, elle est où? Revelio. Il y avait un shiny. C'était un gris, il était gris celui que j'avais vu. C'est lui, non? Bah, il est où? Il est là. Les vieux sont. Confringo. Non. Mais je t'ai pas tué. Arrête. Qu'une créature si belle, tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Ça a marché? Bah, il est où? Galère de les capturer des fois. Oh, je les appelle de 02 là, cassez-vous. Revelio. Où est-ce qu'il est parti? Ça y est, on a perdu le shiny. Ah non, il est là. Non, c'est pas lui. C'est lui, non? Les gosses. Voilà. Allez hop, un nouveau shiny. Professeur Owen ne me croira jamais. Ok, on va aller vite fait vider le camp à côté là. On pourrait essayer notre nouveau sort d'ailleurs. C'est pas mal. Oh, il y a un mec à côté. Ouh! Dégage toi là-bas. Hop. Je ne m'arrêterai pas. Dégage toi. Leviosa, descendo. Il meurt quoi. Qu'est-ce que tu veux toi? Expelliarmus. Mange ton épée, protège et dégage. Là, je me mets dans des galères, j'ai pas de potions. De tes erreurs. Brûlure 2. Révélio. Je sais, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, j'ai une épreuve avec, mais je voyons sais pas c'est quoi. Quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin? Ça, j'ai jamais réussi. Y'a pas des c'est des cages à oiseaux là? Même pas? Bon. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bug ou quoi? Ouais, c'était un bug. Un bug d'éclairage. Revelio! C'est tout? C'est pour ça? Revelio! Ouais, je vois qu'il y a des fois y a des choses qui sont cachées mais qui montrent pas. C'est bizarre ça. Bon, bah une grotte en moins. Ok. Bon, bah on va continuer. Alors celle de Merlin on va pas la finir là parce que je crois, j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'ai pas compris ou que j'ai pas, il y a un sort que je n'ai pas en tout cas. Donc on va la continuer, on la fera quand on aura le sort adapté. À moins que c'est juste moi qui a pas compris l'épreuve, ce qui est aussi pas, c'est pas impossible. Revelio. Je te vois aussi.
Yes. Tous les œufs de serpent qu'il y a par ici. J'arrête pas d'en trouver. Je sais plus c'est pour quelle position par contre qu'on les fait. Ouah, par contre ça va 10 minutes là. Ça compte pour un con. On va passer par là, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Ah ouais. Je veux pas des, venir en... en balai ici. Un château, Belcroft ? C'est un village. On fera les petites zones plus tard, hein, on va déjà avancer dans la mission. Oh, ok, il y a deux coffres. On va aller les prendre. Allô, Mora. Hop. On avance. J'ai loupé l'encoche. Allez là. Revelio. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. C'est celui-là que je veux. Ah, une demi-guise. Il est mis en haut. Alors le perso il lâche des grosses feintes. Il dit qu'est-ce que c'est que ça? Il dit oh il est méguise. D'accord. Et il est où ta méguise? Allez là, oh, punaise. Heureusement mon perso il parle bien. Hein. On va attendre la nuit pour la récupérer. Tu es à moi à présent de méguise. Parfait. Et Ragnar, tu penses quoi de ma tenue? Hyper dur à débloquer celle-ci. Enfin, hyper dur. Hyper chiante à débloquer. C'est vraiment le truc de serre d'aigle légendaire. D'ailleurs, je me demande comment sont ceux des Je me demande qui y vit. Revelio. Wow. Si on lance des sorts, elle brille un peu plus. Ah, ça c'est bien ça. On va aller récupérer le coffre avant d'aller le voir. Revelio. Polymaçon marron. C'est marrant qu'on doit tourner ici. Te voilà. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Château Mon oncle Solomon est un ancien aurore. Mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Oui, il a la haine, le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre. Après, il y a Sébastien, c'est tout à fait louable ce qu'il fait. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, il est une triste, lui, j'ai l'impression. Je t'emmène chez mon oncle. Dans sa sœur là, qui est maudite, là, apparemment. J'ai hâte de découvrir un peu plus sur son histoire. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Ça se comprend. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Alors, à quoi ressemble la fameuse Anne?
Bastian, où est-ce que tu... Oh, les choux. C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Hey. Ça ne brisera pas le mauvais sort. Oh, il a l'air chiant, lui. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais arrête. Oh, il est chiant. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Wow, quand pourras-tu l'accepter? Chiant. Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Va-t'en. C'est le père qui est chiant, là. Oh là là. Désolé que tu aies dû assister à ça. Relou ton je père. Je vais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. T'as qu'à appeler pas en couille, mon pote. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Bon, pour l'instant, on va récupérer les trois pages, là. Hop, hop, hop. Revelio. Voilà. On va récupérer le coffre qui est dedans. Il est pas dedans, il est à côté, c'est vrai. Ok. On va aller parler aux gens. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palo. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Son neveu, c'est pas son père. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensiez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Eh ben on va les casser la gueule aux gobelins. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. Allez hop. Go tabasser du gobelin. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Son frère l'était, donc ça qui est si mort. Si vous voulez père, vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire. Pas ce qu'il veut faire. Non, non, on fera ce qu'il veut il faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. Ah, c'est ça. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Que dalle. Au revoir. Ciao. Bon, je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Allez hop. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi, nous sommes rencontrés lors d'un duel, en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Ekat, c'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Ah, pour trouver une solution, hein. Elle est pas bien là, non? Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien, dès au château, hein. Qu'il revient... Ce n'est plus aussi on va déglinguer tout le monde. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié. Par ce qui m'est arrivé. Et par Sébastien, qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas on être trouve une solution. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. C'est mort. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Mais tout le monde est négatif. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Allez hop, vous cherchez un remède. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Allez hop, on trouve un remède, c'est mort. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien?
Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaye simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Ah ouais, donc lui, il est carrément... Oh là là. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. En vrai, qui ferait pas ça, hein. Je vais te montrer où ça s'est passé. Ouais, gauche bagarrée maintenant. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrok. On ne doit surtout pas les sous-estimer. T'inquiète. Ils vont se prendre des sorts dans la figure, ça va les calmer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Domaine cherche abandonné. Quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. C'est vraiment pas loin, en plus de là où ils étaient, quoi. C'est... On peut courir un peu, là. Merci. Plaquer un commandant des flèches au sol en plein saut. Longtemps. Ranrok, c'est ce qu'il fait. Il a bugué. Tous ceux qui s'opposent à Ranrok seront élus. Oh là, il est bloqué. Parfait. Dégage, toi. Passe encore. Oh, j'ai plus de potion, moi. J'ai plus de potion. C'est galère, sans potion. Faut que j'arrive à trouver une des potions, je pense. Ouais, je retrouve après, quand je retourne après au lard. Après, c'est vrai qu'il y avait une dame qui vendait là, des trucs, peut-être qu'elle vendait des potions, elle. Attendez, hop, 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 on voit bien. Tac, tac, tac. Je reviens, je vais toucher des potions. Je vais faire du haut, putain. Non, ok, d'accord. On peut pas acheter des potions, c'est faut se battre. Bon, bah, go se battre, on va essayer de jouer sécure. Hein. Allez, hop, on va Allez, hop, dégage. Je ne m'arrêterai pas avant. Quand vas-tu abandonner? Oh. Il y a direct. Ouais, bug. Dégage. Oh non, je suis mort. Non. Il en restait plus que 3. Quel enfer qu'on a plus de potions. Bon, on va abandonner la quête de zone pour récupérer des potions parce que ça va être chiant sinon. J'avais pas fait gaffe que mon stock des potions était aussi bas. Entre le troll, j'en ai perdu beaucoup aussi. Pardon. Mais je l'avais déjà pris ça avant. Revelio. Mais... je l'avais déjà pris avant. Ça m'a fait revenir à la sauvegarde d'avant quoi. Par contre c'est pas le même, la même baguette que j'ai eu. L'endroit semble être assez agréable. C'est un délire. En fait, c'est vraiment de la RNG jusqu'au bout. Bonjour, enchanté. Bienvenue. Je suis Bernard Ndiaye et voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider? S'il te plaît, vends-moi au moins 5 potions. Pitié, quoi. Que cherchez-vous aujourd'hui? Oh, il a vraiment pas des potions, quoi.
Il a vraiment pas de potions. On va faire un saut après au large, je pense. Revelio. On va faire un petit saut après au large. C'est quoi ça là-bas? C'est un gros coffre ça, je reconnais. Non? J'ai halluciné? On est là. Et il est là. Parfait. Ce qu'on va faire. On va, première étape, on va aller après, on va aller d'abord à la salle sur demande pour identifier les nouveaux items qu'on a eu. Une fois qu'on aura fait ça, on va changer notre stuff et mettre ce qu'il y a de mieux. On va tout revendre et acheter plein de potions. Si on pourrait pas bugger quand je suis ici, ça serait bien. Ah, il va falloir que je refasse des feuilles de dictam. On va vider le pot du coup. Dictam. Invoquer un composteur à bout, d'accord. C'est bien qu'ils en passent jusqu'à que je dise non. Je sais que. Ok, il est où le. Tac, ok, tout est mieux. C'est de la bonne herbe. Ah, c'est de la bonne, non, tiens. C'est de la très très bonne herbe. Alors, ça, on n'a pas mieux. Ah, ça par contre c'est niveau 29, faut attendre un peu. Elle sera incroyablement mieux. Tout ce que j'ai c'est au-dessus du niveau que je devrais avoir. Wow, 84, 88 lui. Wow, en plus c'est un, y a un bon truc. Ok. Ça on s'en fiche. Wow, wow, wow. Yes. On va juste changer un peu les apparences. On va remettre le truc de base. Je suis sûr que j'avais mis autre chose. Je crois pas que j'avais mis ça. J'avais mis ça, je crois. Chef ceci au-dessus mais vite fait donc on pourra le vendre. Lunettes c'est bien au-dessus. Ouais, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'améliorer déjà. C'est aussi pas mal de ça que j'ai gagné. Hop. Ok. On va pouvoir améliorer 2-3 trucs. Alors. On va l'améliorer. Ok. On prendra la fourrure de nifleur. Bon, on l'améliorera petit à petit aussi. Ah, il faut des niveaux. Il faut des plumes de Derico. Il me faudrait absolument ça. Il me faudrait de la fourrure de flaireur, c'est compliqué. Oh. Ok. Parfait. Plume de fossifère. Ah bah je vais pouvoir mettre des. Rajouter des bestioles d'ailleurs. Waouh. Oh, attendez un petit peu. Mon PC était pas prêt à voir ça. Alors, on va ajouter ça, 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 ça. Et voilà. Bienvenue dans le jardin. Et ouais, petite licorne là. Aïe aïe aïe. Tranquillement, elle est bien. Éviter plus belle vie, promims. Allez hop.
On a 2-3 shiny comme lui d'ailleurs là. Et Murphy, il a ton lui il a ton regard. Allez, mange un peu. Comme ça, c'est pas mal. Lui aussi il est shiny. Ah, j'en ai 2 des shiny des bonnes lunes. On dirait le petit frère de Yoda. Ouf. Plume de Joe Barbie, on est bon. Ok. Ok, pas trop mal. On va récupérer encore les potions. On va en faire un max. Hein. Ah oui, tu voulais voir pour faire des... pour ajouter des choses. C'est quoi déjà le sort? Rebellion. C'est quoi déjà le sort? J'ai déjà oublié. Je crois que c'est ça. Ah voilà. Alors. Ça j'ai vu qu'on pouvait changer. Oh, trop bien. Trop bien. Incroyable. Bref, c'est pas ça que je voulais voir. Pièce de protection. Faut pas que c'est ça non plus. Non plus. Objet de créature. Non, c'est pas ça non plus. Oh. Ah, c'est pas ici que je peux le faire ça. C'est là. C'était à l'intérieur du coup. Quel que soit. Comment ça? Ah, je vais faire plusieurs potions avec ça? Attends. Attends. Si j'arrive, je fais ça. Ça. Faut que je les supprime peut-être? Ok, hop. Du coup avec ça je peux faire ça. Non, pas ça. Ça. Et je pourrais faire genre des potions partout. Genre une là. Ah ouais. Trop bien ça. Incroyable. Ah ouais, ça change. C'est magnifique. Ça aussi je peux le faire avec celui-là. De la botanique du coup, non. Fort, bah non. Il manque ça que je pouvais faire en fait. Tapis, meubles, décoration, œuvre, décoration, statue, table, piège. Oh non. Mais comment on fait pour faire le truc de... Ah, des composteurs. Si je veux mettre ça, je vais mettre là peut-être. Comme ça. Ouais. On est en train de faire un petit truc là. Botanique du coup. Table de rempotage munie de 2 grands pots. 2 grands pots? Ah ouais! Attends, mais je vais tout refaire en fait là. Je vais faire une salle spéciale botanique en fait là. Attends, on va faire un peu de ménage. Déjà toi dégage. 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 Ok.
Ok, on va te mettre par là. Toi, en vrai, tu vas dégager aussi. Ah. Toi, on va te décaler par là. Je vais essayer de mettre la... le truc avec les grands pots. Grande table, voilà. Ça rend où ça? Ça rend jamais ça. Et je range ça où? Là. Mais il est chiant lui. C'est-à-dire que là on peut mettre ce que je veux là. Wouah, incroyable. Je mets ça là. Et je peux mettre genre. Ouais, je peux même planter ça. Mais let's go. Let's go. On va se mettre très très bien dans l'histoire là. Qu'est-ce qui manque concrètement là? Il me manque des feuilles de dictame. Du jus, enfin des champignons, j'en ai plein déjà. On va attendre une minute en vrai. Hein. Oh mais ça met trop bien cette histoire. Par contre, en vrai de vrai, est-ce que je vais pas utiliser une deuxième salle? Est-ce que je vais pas transformer cette salle là pour faire de la botanique justement? Au lieu de faire ça en mode déco là. Mais qu'est-ce que c'est beau. On va optimiser maintenant. J'ai fait de la déco gentille et tout, mais que dalle. Optimise. On optimise maintenant. Voilà, on va prendre ça. Que on va optimiser maintenant. On va mettre ça là comme ça. Voilà. Que on va optimiser, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Hop, viens là toi. Ça ici. Comme ça. On va tout claquer ici. Hein. On va faire une grosse salle. Avec tout ce qu'on a besoin. Bam. Ça, on va laisser ici. Ce serait assez utile pour les dehors, je crois. Quoique non, c'est pour les engrais, ça aussi, en vrai. Hein. Voilà. C'est de l'engrais, ça veut dire que c'est qu'on aura besoin pour ça. Voilà. Ça, on va laisser ici. Il n'y a pas besoin qu'on mette autre part. Ça aussi, on va un peu le laisser là. Ça, par contre, ça va cacher là-bas. Tout ce qui va être position, on va y mettre là. On en remet. Il est 12 minutes. On a eu 5, ça veut dire qu'on peut faire 5 potions en plus. On va se mettre très très bien, les amis. Hein. Là, ça commence à devenir pratique de faire des potions. Voilà. Maintenant la question c'est est-ce qu'on peut faire plusieurs fréquentés. Alors je fais ça, ça. Bon on peut en mettre. Ah non, on peut en mettre 7. Si on peut en mettre 7 oh. C'est un délire ça. Mais c'est un délire. Ça refait ma vie ça par contre. Mais ça refait ma vie. Ah, par contre,
Un peu mal placé, mon pote. Voilà. Ils sont pas face à face. Encore un peu. S'il te plaît. Ah ! Reviens ! Ok, je crois que c'est face à face à peu près. Ok. Ça reste du à peu près. Je crois que le problème c'est lui. Voilà. Faut qu'il soit là. Et lui, il soit là. Ça reste du à peu près. Ok. Bah écoutez, on est très très bien. On a même pas eu le temps, on aura pas le temps d'aller à Préolard pour acheter des potions. On a clairement de quoi se mettre bien. Tant qu'on est là, on va faire plein. On va faire plein de potions. Hein. Voilà, on va faire des potions d'invisibilité, des potions de dégâts au max. Bon, autant claquer des. Je vais pas encore les faire ça. Ok. Combien de temps ça met en fait ce truc là? 30 secondes à faire? Voilà, hop. T'es mal alchimiste, Marty. Qui on fait de l'alchimie nous ici là? Voilà, maintenant on récupère tout. Tac. 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 Hop, hop. Là, on est bien là. 6 minutes, 4 minutes. Franchement, là, ça vient de refaire ma vie. On va faire des engrais maintenant. Voilà. L'engrais, il est servi à quoi au final là? Ah, en fait, l'engrais, ça va pas servir à accélérer le rendement du bordel, mais ça va servir en fait à en produire beaucoup plus. Souplesse 6, c'est quoi ça? Ils ont pas la même souplesse. Pourtant, c'est les mêmes produits que j'ai mis. Est-ce que c'est à cause de l'engrais? Enfin, grâce à l'engrais, du coup, que la souplesse s'améliore? Attendez, il m'aura à faire plein de trucs là. Ça veut dire qu'on peut foutre le bordel. Attendez. On va faire plein des machins. On peut en faire 3 des trucs en grès là. C'est ça que je voulais. Poster à bout. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Table de découpe. Un ingrédient végétal? Ah oui, ça je pouvais en acheter ça aussi. Et venons vers Préolard pour voir ce que c'est. Voilà, je suis en train de m'écarter de la mission par contre. Wouah, il est 7h30. Il est 7h30, on aura jamais le temps de s'amuser à fond. On va laisser tout ça faire. On va aller à Préolard pour acheter des nouveaux créateurs. Je rentre dans une vibe de production, les amis, hein, c'est fini. Hein. On ne joue plus Harry Potter, on joue à Satisfactory actuellement. On change de jeu. Hein. Salut la bise Quezoï, merci. Sud, nanana, il faut qu'on aille. Ils sont où déjà les créasors? Qui c'est qui vend les créasors déjà? Non, c'est pas lui. C'est pas elle. C'est pas lui, c'est sûr, ça attend ça. Olivender, non. Je crois que c'est lui, hein. Je vais pas me spoiler, tu as raison, mon ref, t'inquiète. Hein. Merci d'être là déjà, c'est déjà cool. On va aller là. On va tenter d'aller là, je crois que c'est lui qui vend les créateurs. Ouh. En plus, je suis en train de faire l'émission principale, donc tu fais bien de partir. Préolard, me voilà. De partir, de l'urk, du coup. C'est pas encore opti par contre le jeu, hein. Faut que je trouve encore des moyens de l'optimiser. Enfin, hors stream ça va du coup, vu que ça consomme moins via le stream.
Prenez votre temps. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'avoue que j'ai vu ce machin qui traînait, je me suis dit c'est quoi? Revelio. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Une demi-guise là-haut? Ah non, j'y ai cru. J'ai cru qu'il y avait une demi-guise. Je suis un peu déçu. Regardons un peu ce que nous avons. Wow, il a eu plein de nouveaux créateurs. Par contre, j'ai pas beaucoup de sous. Il va falloir qu'on soit petit, les gars. On peut vendre, on peut vendre. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. En tout cas, il faudra qu'on soit petit, mais on peut vendre. Ok. Ah, il reste mieux à lui, hein. On va le garder quand même au cas où, sous la main. Mieux. Ça se vend. Hop, c'est de là on les garde, parce qu'il faut être niveau 29 pour les porter. Alors. Alors ça, je crois qu'on l'avait déjà fait, ça. Potion moyen. Ok, un pose des potions moyens fructifs pour avoir une sorte de potion. Comment ça? Ça, on l'a déjà, ça, en fait. Ah, 3 pots moyens, mais c'est immense, ça, par contre. Hein. Ça va s'acheter, ça. Hein. C'est quoi? Ça permet d'invoquer un raffineur de matériaux utilisé pour produire de la pierre de lune. Ouais, bon, ça, pour l'instant, pas pratique, parce qu'on en a plein, des trucs. Table de découpe. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Sorte de potion moyen. Ouais, après, on a pas assez de thunes. Création de table de rempotage, 3 petits pots. C'est pour les, ça, c'est pour faire les mini-trucs, ça veut dire. Ça peut être pratique dans un sens. On va le prendre. Ça coûte pas cher. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait. Maintenant, on va retourner à la salle sur demande. Poudlard, pièce secrète, salle sur demande. Oh non, il est déjà 7h30. Alors du coup, alors le truc de découpe, on va les laisser là, je pense. Parce qu'on en a pas vraiment besoin en soi. Alors, potion. C'est pour après. Marmite sauteuse. Qu'est-ce que c'est que ça? On va mettre un là. Un là. Et un là. Voilà. Botanique. Ça sera pour en dessous. Hop, on va voir. Ah ouais, stylé. Tout est ici pour les pots. On peut le mettre là aussi en vrai. Voilà. On va mettre un là. On va mettre un là. Ça masse. Un comme ça aussi. Et voilà. J'ai l'impression qu'on est dans un labo de maître. Tout va bien. On va mettre de la dictame de partout, les gars. Ça, c'est pour des potions. Vous connaissez, on en a besoin. Voilà. Maintenant, on va faire peut-être des mandragores. C'est ça, la mob boost, on en a acheté pas mal. En vrai, je pense qu'on va pas s'embêter à les faire. Hop. On va faire des mandragores. Ça nous permettrait d'avoir un max de. Voilà, on est bien là. Voilà, pour récupérer déjà tous les engrais. Attendez, hop. Ok. Ouais, j'ai l'impression que les engrais permettent d'en avoir plus. On peut aussi en mettre là, hein. Ouais, c'est pour la potion d'invisibilité, mais ça, j'ai envie de te dire, on n'utilise pas vraiment beaucoup pour l'instant. On va continuer à faire la dictam. Voilà.
Ok. Yes. Ce qui veut dire c'est que l'on peut aller là-bas. Oh, j'en ai 11 détruits de G-Time. Voilà. Créateur du coup, potion. Et c'était ici que j'avais vu. Je pose un mise un peu. Ça, j'ai déjà fait. Ah ouais, bon, ça c'est pas vraiment important. Pierre de lune, pierre de lune. En vrai, j'en ai assez pour des potions, j'ai l'impression. C'est bien. On commence à optimiser un peu le rendement de potions. Petit à petit. Voilà. Maintenant, ce qui va être plus compliqué à trouver, c'est être les jus de champignons. On va dire. Pas plus les feuilles de Victor. À la place du coup des potions maxima pour augmenter les dégâts comme ça chaque fois qu'on vient on a plus qu'à les récupérer. On a quoi à faire ces grosses potions là de proximité. Ah ouais, Protego. Là c'est marrant. Voilà, on a 20 potions donc pour la quête. Bah demain, par contre, on restream donc on va pouvoir avancer dans la quête tranquillement. Ok, pas mal, on a bien optimisé. Waouh, ça devient un bordel par contre ce laboratoire. C'est magnifique. On va attendre 40 secondes le temps de tout récupérer quand. Oh. Merci. Ouais, souplesse 1, du coup, faut remettre des engrais à chaque fois. Ça peut être un peu chiant. Mais bon, on va essayer de stack des engrais et des potions. On va attendre que ça finisse. Ouh. Ah, vous voyez le visage de la satisfaction là? Ah, moi, je vous dis, il est là. Je viens d'apprendre le jeu, j'ai l'impression. Je redécouvre le jeu. Ah, Loki ? Qu'est-ce que tu fais ? On va bouger la cam là ? Qu'est-ce que tu fais ? Hop, on récupère les engrais. Voilà. Je vais les récupérer s'il vous plaît. Ah, personne qui sorte. Du coup, on va remettre sur ça. Parce que je pense que ce qui va être important, ça va être ça au final. Mais en vrai, la dictame ici, elle servira pas à grand chose, on va vider le pot. Et du coup, on a maintenant. Oh, fixe sèche. À quoi il sert cela? Faire des breuvages. Ça, j'en ai pas en plus des breuvages, c'est ce qui me permet de faire les trucs. Potion de concentration. Ouais, on va essayer ça en vrai. Hein. On va faire ça. On va mettre de l'engrais, comme ça, on en aura plein. Bon bah voilà, écoutez, on va tranquillement arrêter le stream maintenant. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui étaient là aussi pour l'orc, c'est cool. Bah la grosse bise à tous. On se revoit demain. Je crois que c'est demain 18h ou 5h30, un truc comme ça. On a mis le planning sur les réseaux. Regardez-moi la tête qu'il a. Regardez-le. Regardez-le. Tchouk 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 tchouk. La tête du plaisir. Et bien voilà, on se revoit demain. La grosse bise à tous. Et passez une bonne soirée. Ciao ciao.